Chers supporters, soyez les bienvenus dans cet après-match victoire de l'Union Bordeaux-Bègles dans sa deuxième rencontre de cette Champions Cup avec une victoire bonifiée. 47 à 8 face aux Newport, les Dragons de Newport. Messieurs, votre première analyse à chaud, Yandré ? Pas mal, je pense qu'on a assez fait pour gagner. Je pense que notre avant n'était pas assez dominant, je pense qu'on peut faire mieux à faire, mais 47 points, c'est pas rien, donc on est content. Catanel. C'est ce qu'il fallait. Il fallait soigner le goal à Vera, on l'avait dit, et c'est fait avec 4, 5, 6 essais. 7 essais. 7 essais. 7 essais inscrits par les Bordelais avec 3 essais en première mi-temps, 4 en seconde. On a senti, messieurs, je ne sais pas quel est votre avis là-dessus, mais qu'il y a eu un rebond d'énergie en deuxième mi-temps. Peut-être que Newport a également aussi baissé l'intensité. Ils nous ont quand même posé des soucis en première mi-temps, même si le score était plus ou moins acquis. Il y avait 19 à 3 à la pause. Mais en première mi-temps, ça a été quand même un peu plus compliqué. Oui, c'est une équipe galloise qui est très structurée. Donc, tu dois casser les structures pour marquer. Et je pense qu'on a bien fait le premier mi-temps. Je m'étais un peu plus facile. Vous étiez au vestiaire à la mi-temps ou pas ? Non. Malheureusement, non. On a senti Christophe Furios, le manager, assez agacé sur la première mi-temps. Alors, satisfait du score, j'imagine. Mais même en seconde période, il a quand même poussé les joueurs. L'objectif, c'était de gagner avec 5 points. Nathanaël, tu le disais en première partie d'émission. Mais on sentait aussi que Christophe souhaitait qu'il y ait du contenu, de l'engagement. On a senti que ça a été nécessaire pour lui de vous rebooster, enfin en tout cas de rebooster les joueurs pour y remettre de l'intensité. Ouais, bah de toute façon, c'est ce qu'il fallait. On savait qu'avec une équipe remaniée, on savait que la première mi-temps, elle a été dure, parce qu'on sait que c'est une équipe qui ne lâche rien. Ça, c'est tout à leur honneur, bien sûr. Mais après, tenir toute une deuxième mi-temps, ça allait être plus compliqué. Et on a su marquer des essais opportunistes, notamment le premier essai de la deuxième mi-temps. Et ça nous a remis dans le bain et ça nous a fait du bien. Ouais. 9 points après 2 journées. On recolle avec les équipes qui étaient déjà leaders de cette poule. L'objectif était de se qualifier pour les quarts de finale. On est à la moitié du chemin. Comment est-ce que vous voyez les deux rencontres qui vont se dessiner au mois de janvier ? On rappelle qu'il y aura un déplacement chez les Dragons de Newport le début du mois de janvier. Et il y aura dans la foulée la réception de Northampton ici. Ce sera certainement ce match-là où il faudra faire la différence. Un 16e et un quart de finale. Un 16e et un 8e de finale. Hein. De toute façon, il faut le voir comme ça. Parce que si on perd, on peut dire adieu au quart de finale. C'est 4 matchs, 4 victoires, André ? Oui, faut. Obligé. Dont une, deux bonifiées comme aujourd'hui. Ouais, maximum possible, c'est ça. L'élément que j'aimerais qu'on aborde ensemble, c'est Santiago Cordero, qui joue, qui occupe un poste similaire au tien, Nathanaël. Encore beaucoup de présence, 3 essais inscrits. Comment tu le vois, ce joueur aujourd'hui, il a encore été remarquable. Impressionnant, ses qualités d'appui notamment. C'est pour un jeune comme moi, c'est super de s'entraîner avec lui toute la semaine. J'aimerais bien jouer avec lui maintenant. Et voilà, je peux que apprendre de ce joueur. C'est un exemple ? Ouais, carrément. On a à peu près le même gabarit. Enfin, c'est un exemple, ouais. De l'autre côté, le travail des... Ouais, je veux dire, quand Ali et Marc, c'est le travail des avants. Donc, alors, tu vois, tu fais la transition. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, messieurs, je ne suis pas fier de vous. Parce qu'en avant-match, j'ai fait une bourde énorme sur la composition des équipes. J'annonce les avants alors que je... Enfin, j'annonce les arrières alors que je dis que je parle des avants. Vous me laissez dans mon truc. Toi, c'est ton poste, tu me dis rien du tout. Là, je ne suis pas fier de vous, messieurs. Vous auriez au moins pu m'aider à rattraper le truc. Justement, par rapport aux avants aujourd'hui, on a senti que le manager était assez, j'ai envie de dire, remonté, surtout sur la première période, par rapport à des attitudes qui ne lui convenaient pas dans les mêlées, dans tout ce qui était attaque sur les touches et le jeu des touches. Tu l'as partagé, ça ? Oui, je pense aussi en défense, on n'était pas bien discipliné dans la touche. On prend trop de pénalty, ça c'est plus facile quand on donne une pénalty facile. Mais après, je pense qu'on a ciblé les pénalty cette semaine, on peut mieux dominer cette match, notamment le jeu des avant, le touche mêlée, on n'a pas assez fait. Dans notre ballon porté, c'était pas assez, très efficace, mais c'était pas mal. Donc, on peut toujours être mieux. Alors,
On vient de faire deux rencontres de Champions Cup. C'est quand même l'histoire du bébé qui est en train de petit à petit de s'écrire au fur et à mesure des saisons. Cette saison, c'est une nouvelle formule. L'objectif est d'aller chercher un quart de finale. Deux matchs, deux victoires, 9 points. On fait partie des équipes qui remplissent petit à petit le contrat dans cette nouvelle composition de Champions Cup. L'ambition, vous l'avez dit, c'est les quarts de finale, mais est-ce que ça doit aussi nourrir une ambition pour le top 14 qui va redémarrer dès la semaine prochaine ? Il y a un déplacement, il me semble. Toulouse. Et après la réception Toulon. Au mois de janvier, juste après le nouvel an, de Toulon. C'est quoi ? C'est un bloc de 4 matchs avec ces deux-là ? C'est un nouveau bloc qui démarre maintenant ? Toulouse, c'est la fin de le cinquième bloc. C'est combien ? C'est notre cycle, 7 cycles. Donc, on va aller à fond là-bas, je pense. Hein. C'est pas... Toulouse qui est la grosse équipe aussi oui. à aller chercher chez elle. Bien sûr. Une question qui revient de nos auditeurs, les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année. Comment ça se passe dans ce contexte ? Il y a d'abord le Covid, mais il y a aussi le travail. Deux rencontres, une le 27 et une autre le 2. Ouais. Comment vous faites ? C'est quoi l'agenda ? C'est quoi les repos ? C'est quoi Étant donné qu'on n'a pas eu de vacances, qu'on a rattrapé le match du Stade français, et ben, ils nous ont mis un peu des vacances. Donc on va s'entraîner lundi. On va faire un gros entraînement lundi. Et après, on va avoir mardi, mercredi, jeudi, et jusqu'au 25 en fait, de repos. Où là, on va avoir un programme. Ouais. Et ouais, bien sûr. Et on va avoir mis en place le samedi, la veille du match, et on part directement à Toulouse. Et là, l'hygiène doit prendre le dessus. Les fêtes de fin d'année, elles sont différentes quand on est joueur de rugby professionnel et qu'on a le top 14. Oui, tu es obligé, tu ne peux pas trop manger, c'est difficile. Donc, très strict, on ne peut pas trop manger, fais attention au poids. Ça, c'est plus dur pour les avant parce qu'on aime bien manger. Tu vois. Car il ne mange pas, mais c'est vraiment c'est le période le plus difficile pour nous. Et pas d'alcool. Et pas d'alcool, chaud, pas d'alcool. Ça, c'est plus compliqué, non ? Ouais, ça. Ouais, difficile. Alors, on va profiter également de cette belle soirée pour annoncer à nos auditeurs une promo supplémentaire. Il y a moins 40% sur le maillot de la Champions Cup qui est en vente sur l'UBB Store. Alors profitez-en parce que ce maillot, il va peut-être vous permettre d'aller chercher une qualification en quart de finale. Ce serait historique pour l'UBB. Mm-hmm. C'est petit à petit gravir les échelons dans ce club. Toi qui le vois grandir, ce club. Tu es arrivé, on le rappelle, en 2013. L'ambition européenne, ça fait partie aussi de l'ADN du club, tu le sens ? Oui, chaque année, on est pas mal dans les Champions Cup. C'est la première fois qu'on était vraiment proche. La première fois qu'on a joué le Challenge Cup, on était à 16 points avec, Exeter, Clermont et nous, à égalité. Donc, on était très, très proche de qualifier pour le quart de finale. Et cette fois, on doit monter, on doit évoluer. Donc, je pense qu'on va le faire cette année. Alors, il va y avoir également le top 14 qui va être un point important. On pose toujours la même question dans ces après-matchs parce que nous avons toujours des joueurs différents. Elle va plus s'adresser à toi, Yandré. Nathanaël, tu n'étais pas là l'an dernier. Quand on est à l'UBB, qu'on réalise la saison passée, qu'on finit cette saison un peu d'un arrêt brutal, est-ce qu'on n'a pas peur d'être attendu par les équipes adverses aujourd'hui ? Non, et pas. On est vraiment attendu, c'est pas cette année, chaque fois qu'on joue contre Bordeaux, c'est on a une bonne équipe, pas maintenant, mais une très bonne équipe, on poste très bien, on joue chaque match, on a un bon chaque match, donc on sait que chaque match sera un gros match, c'est pas un match qui va lasser pour l'espoir, c'est chaque fois elle veut donner la meilleure équipe, on joue contre la meilleure équipe. D'avoir 5 points. Alors. Ce que vous entendez, c'est une réaction d'après match. On va découvrir les images en même temps. C'est la conférence de presse qui est en train de se passer. On va récupérer le signal. Voilà, c'est Romain Bureau, je crois. Je pense prendre un peu plus de plaisir en étant plus discipliné. Mais très content d'avoir marqué 5 points et d'être en course pour la qualif. Vous êtes rendu le match facile dès longtemps. C'est ça. On savait que ce serait une équipe vaillante,
Et que si on les prenait par le bon bout, ils avaient moins à espérer que nous au niveau de la qualif, donc il y aurait plus de chances qu'ils lâchent. On a eu aussi cet entame de deuxième mi-temps assez positive qui nous a aidé à bien repartir, on va dire. Je rebondis sur l'entame de match, l'entame de deuxième mi-temps. Il y a un essai très rapide de Santiago qui redonne de suite un élan dans cette seconde mi-temps. C'était nécessaire de marquer rapidement en deuxième mi-temps, d'après vous ? Carrément. Autant pour nous, pour bien nous remettre dans la seconde mi-temps, mais surtout aussi pour mettre un coup derrière la nuque aux Dragons. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les images des tribunes, mais Mathieu Jalibert a été remplacé. On l'a senti épuisé. Épuisé, il s'est assis sur le banc, il était complètement vidé. Mmh. Forcément, le top 14, l'équipe de France, les matchs de Coupe d'Europe, ce championnat qui a été un petit peu biaisé dès le départ, et tu le disais, plus de congés pour vous, des matchs de retard à rattraper. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? On est au mois de décembre, on n'est pas encore à la mi-saison. Jeff, il y a 15 jours, nous disait qu'il ne voulait pas se projeter sur le fait de ne pas avoir de congé jusqu'au mois de mars parce que c'était impensable. Vous, votre point de vue là-dessus, sur l'intensité de cette saison ? C'est difficile, c'est pas comme les autres années, donc c'est vraiment difficile. Mais je pense, avec Michele qui nous gère nous bien. Ça, c'est ouais, bon, ouais, ça, ouais. Michele, donc c'est le prépa physique, et aussi avec Christophe. Donc on essaie de changer chaque semaine l'équipe un peu pour récupérer. Cette semaine, je suis un peu en repos, donc pour avoir la fraîcheur la semaine prochaine. C'est important ça, d'avoir une rotation des gars. Il y a une concurrence qui est saine. Ouais. Ouais, carrément. Les gars sont très. On est francs entre nous, et puis on s'entend tous super bien, donc c'est très bien. Et vraiment bien gérer les semaines, c'est important, et le staff s'en occupe très très bien. Alors, on imagine que, tu disais que le staff avait justement essayé d'aménager un petit peu cette période de fête et de période un petit peu particulière. Le fait d'avoir des vacances qui ont sauté au mois de novembre, de se projeter sur un mois de mars, sachant que vous avez encore un match face à Clermont à rattraper. Vous personnellement, vous arrivez à l'accepter, à faire l'effort nécessaire ? On fait ça, on n'a pas le choix. Ouais. Hein. Et donc, s'il faut jouer, on jouera. Après, le but, c'est que c'est quand même important pour des joueurs de rugby d'avoir des vacances, parce que c'est important pour le corps, c'est aussi pour le mental. Et donc, moi, j'ai de la chance, je suis encore jeune, donc j'arrive encore à encaisser. C'est plus compliqué. Oui, bien sûr, c'est compliqué. Là. Ça prend un ou deux jours plus de récupérer après match. Donc, si tu enchaînes les matchs, c'est un peu plus dur. Tu as besoin d'une semaine juste pour. Justement, on sent que du côté de l'UBB, il y a un choix sur le recrutement qui a été fait cette année, justement de remuer un petit peu, ouais. Et de mélanger les différentes catégories d'âge. C'est important pour vous les anciens d'avoir cette ressource aussi des jeunes et de pouvoir compter un peu plus sur eux quand ça devient dur. Oui, bien sûr. Là, ce soir, c'est les gens qui ont fait un vraiment bon match. Le bon match, c'est Woki, Jean-Mike, Yoram, très bon match. Mathieu, qui est jeune, il est expérimenté. Mais c'est eux qui ont fait les bons matchs ce soir, donc c'est très important pour nous. On continue avec la conférence de presse. On a toujours Romain Buros en conférence de presse qu'on va récupérer pour écouter un petit peu ce qu'il nous dit. Mine de rien. Donc c'est Romain Buros en conférence de presse. Je ne sais pas s'il est interdit. En tout cas, je pense qu'il est, conseillé d'être modéré. Voilà, donc il réagissait, je pense, sur la période de fête. Et notamment peut-être une question du journaliste qui lui posait la question sur l'alcool pendant... pendant les périodes de fête. Il y a un petit repas ce soir organisé. L'état d'esprit va être quand même, j'imagine, alors je me trompe, je ne vais pas dire l'état d'esprit, mais la dynamique va être plus positive qu'il y a 15 jours. Vous aviez votre repas de Noël il y a 15 jours. Et la forteresse de Chaban était tombée face au Racing. Ce soir, c'est une seconde bouffée d'oxygène, pour reprendre les mots de votre manager. Oui, bien sûr. Donc, le match contre Racing, c'est la première fois qu'on perd avec Christophe, donc c'était pas facile à Chaban. Donc,
ça nous fait bien de gagner cette match à la manière qu'on l'a fait. Pareil toi Nathanaël, alors on parle de forteresse de Chabans. Quand tu arrives, tu connais Chabans-Delmas avec son public, on en parlait tout à l'heure. Il y avait un challenge de ne pas perdre à Chabans en top 14 et tu as senti une réelle déception là, il y a 15 jours. Oui, ouais, carrément. C'est pas comme si on perdait à l'extérieur. C'est quelque chose de plus fort. C'est à la maison et Chabans, c'est pas n'importe quel stade et puis c'est pas n'importe quelle équipe. Donc forcément, on n'a pas envie de perdre dans ce stade. Alors, il nous reste quelques minutes à passer ensemble sur cet après-match face aux Dragons de Newport. On réinvite une nouvelle fois nos abonnés, nos partenaires, nos supporters et nos bénévoles à communiquer via le site et via Facebook pour échanger avec nos joueurs. Messieurs, si vous aviez un mot pour nos supporters une nouvelle fois, à leur dire ce soir pour les fêtes de fin d'année, pour cette année un petit peu particulière 2020 et aborder 2021. Bonne fête, profitez notamment avec la famille. Faites attention, mais profitez. Faites attention, mais profitez. Ce sera peut-être le mot de la fin parce que forcément, on va libérer nos joueurs pour qu'ils profitent de cette soirée avec le reste de l'équipe. On espère que cette émission vous aura plu. On espère que vous aurez passé un bon moment et que vous aurez vibré devant vos écrans pour encourager l'Union Bordeaux-Bègles. L'ensemble du club, les bénévoles, les partenaires, les acteurs qui font l'UBB vous souhaite une nouvelle fois une très très bonne fête de fin d'année, de très bonnes fêtes de fin d'année. On aperçoit juste avant de se quitter peut-être, et on va le prendre, Mamadou Diaby, le capitaine. C'était pas prévu, mais on va écouter Mamad, le capitaine de ce soir. Ce sont des joueurs voilà, qui sont vaillants, qui lâchent rien. Et c'est un peu à l'image de la première période. Et après, oui, en deuxième période, on a retrouvé un jeu un peu plus collectif. Et on a su les mettre en difficulté. Vous nous racontez votre essai? C'est pas compliqué, hein. Je vois que ça s'enfile, je vois Ben Lam qui prend le ballon, je vois qu'il va sur le dernier défenseur, j'appelle, il me la donne, j'arrive à attraper le ballon et ça marque. Quoi. Ouais. C'est Mamadou qui parle de son premier essai, ouais. Le premier essai de cette partie, qui est arrivé assez tôt. Il t'évoque quoi cet essai de Mamadou Diaby? C'est rare quand même de le voir marquer, Mamadou. Non, il a marqué, mais c'est pas comme ça. Normalement, il attrape un ballon à 50 mètres et il traverse le terrain. Donc, c'est bizarre de voir lui marquer comme ça, mais je suis content pour lui. Il travaille normalement, c'est lui qui fait le dirty work, qui travaille dehors. On voit pas beaucoup avec le ballon qui marque l'essai, mais c'est bien de voir là, ça. Juste avant qu'on rende l'antenne, tu as été aussi capitaine de cette équipe de l'UBB. Ouais. Quand tu vois des joueurs comme Mamad aujourd'hui prendre le relais, prendre le capitanat, un joueur comme Jeff également, toi tu fais la passerelle, tu leur expliques ce que tu faisais peut-être comme capitaine. Je pense qu'il était là pendant cette période que j'étais capitaine et moi et Mamad on a un peu le même. La manière de faire les choses, Jeff il est complètement différent. On est toujours, fait partie du groupe leader, donc on est toujours le capitaine et le 9 et le 10 pour faciliter. Mm-hmm. Pour aider. Faciliter les choses. Tu évoques les leaders, pour celles et ceux qui ont été au stade Moga et à votre Seva Campus centre d'entraînement. Il y a une forte présence des démos dans les vestiaires, dans les salles de muscu de l'UBB. Les leaders, ça en fait partie, les valeurs, le jeu, la passion. Ça, c'est quand on est jeune joueur, qu'on arrive à l'UBB, qu'on voit la structure d'abord du club, ce beau bâtiment, et qu'on voit ces choses-là écrites, on a envie de faire de grandes choses, j'imagine, non ? Carrément, on voit. Moi, ce qui m'a frappé, par exemple, c'est en salle de muscu, il y a un immense stade, une immense photo du stade Chabans-Delmas plein et quand on arrive c'est impressionnant et on se dit qu'une seule chose c'est que j'ai envie de jouer là-dedans plein à craquer quoi. Ouais. Je pense qu'on va se quitter avec ces mots-là, on a tous envie de retrouver un Chabans en effervescence. Je peux vous dire que nous aussi, hein, les acteurs un petit peu de l'ombre qui font avec vous le spectacle sur les soirs de match, on commence un petit peu à s'impatienter quand même, on a envie de retrouver cette ferveur, ce public qui nous manque dans les tribunes de Chabans. On est persuadé
qu'on se retrouvera très prochainement du côté du Stade Chavandelmas. Cette fois-ci, ça va être la bonne. On va terminer cette émission. Messieurs, merci d'avoir joué le jeu. C'était votre première télé UBB live. Ça vous a plu? C'est pas moi. Ouais. Et t'as vu, c'est passé vite. Ouais, très vite. Nathanaël, j'adorais. T'as adoré. Ouais. Alors on a eu, on va clôturer, mais on a eu pas mal de messages hein, de tes parents, des amis qui ont mis vive la Savoie, vive la Haute-Savoie, pardon. Mon fils, tu passes bien. Un petit mot, tu peux leur dire un mot si tu veux. Ben, merci d'avoir regardé et merci de pas avoir trop posé de questions gênantes. On remercie les supporters, les bénévoles, les partenaires, tous ceux qui font que l'UBB existe encore. On aura besoin de vous également. En 2021, on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Portez-vous bien, détendez-vous, faites la fête, soyez prudents bien évidemment, et puis on est certain qu'on se retrouvera très très prochainement du côté de Chavandelmas. Merci à tous, très bonne fête soirée et à très bientôt.